Abalandi Bansou, Bakongo Live Télévision, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est mardi 9 juin, 9 juillet, voulais-je dire, 2024, depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Bozali Ebele, Bozolanda Bissot, na Turquie, Bozali Ebele, Bozolanda Bissot, na Somalie, Boza Ebele, Bakongomani, Boza na Asie, Europe, États-Unis, Tolobi Matondo Mingi, pona fidélité na Bino, pourquoi pas ba Oyo, Baza na continent d'Afrique, Matondo Mingi, pona fidélité na Bino, sur Congo, live, télévision, les dames et messieurs, toza awali susu, pona kopesa Bino Basango. Yamakambo Oyo Ezoleka Katia République démocratique du Congo, surtout dans ta Oyo Boyebike, Bitumba Ezali à l'est de la République démocratique du Congo, est Eza en proie à l'insécurité. Yango Lelo Ezanati na Koyako Kabelabino Basango chaque jour, c'est-à-dire au quotidien. Makambo Oyo Ezoleka na Katia Mboka na biso, parce que ceux qui te commis moi distrait Lelo, Togo risqué Mboka na biso ekeyi, surtout que Munguna Azape na idée. Munguna zape na likanisi, Munguna zape na basi ba tracé depuis kalake esengeli ba balkanize mboka na biso, mais uso se congolais ba oyo ba telemi lelo et puis ba lobi mboka ekozala jamais balkanize. Uso se congolais o lelo ba telemi ba lobi mboka na biso jamais ekozalaka balkanize to bakokataka yango. Raison pour laquelle nous venons chaque fois bokoza la boza musika ya mboka. Bokoza la boza na kati ya mboka mena ba province mosusu meto sali nyoso pour que botika la ka informe, c'est-à-dire ba alerte za la ka toutefois information za la ka toutefois, c'est-à-dire pas parce que lorsqu'il y a l'aura un problème, lorsque ba problème e kozala to ye ba boni to ko résoudre ango biso elongo. Ce qui est comme parti à Bamoko baza informé, Bamosusu baza informé, ça sera déjà un problème. Même Kuna Liboso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la bisika bozo na biso, toujours souhaiter bino boye elamu. Nini ezo le kanaka tiamboka na biso, nini ezo le kada l'est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi, à Kwilu, Kwango, Congo central, Matadi, Gemena, Lubumbashi, Okatanga, naba mboka, naba province nyoso ya république nini ezoleka. Tokozwa mwa muke muke tosangisa ekoka ba information na biso ya lelo. Tozo bandela na capitale na biso Kinshasa, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, politique elobi nini, Bitumba elobi nini, diplomatie elobi nini. Qu'est-ce que lelo bakonzi ya mboka na biso bazo loba. To bandeli yao. Depuis vendredi passé, ezalaki oyo tozo benga awa rencontre ba ministre oyo bakuta na ka chaque vendredi oyo bakuta na ka na bakonzi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ava wana conseil des ministres ava esalema akutanaki na premier ministre, parce que premier ministre mutu a présidaki Conseil des ministres oya vendredi et tiki koleka. Après, le président de la République a proposé que esengeli bazwa ba mesure mosusu oyo ekosunga pour l'évolution ya bitumba da l'est du pays. Toyebite wana eza sikoyo, après ba analyste ebele oyo bazolo balelo, le président a vu que ebele ya biloko ezolekela ye azoyeba te. Raison pour laquelle il a opté, il a décidé de créer une task force. Oye moko akobanda kokumba. Oye moko akozala président yango. Oye moko akozala ekozala sous surveillance na ye moko. Ba conseil supérieur à défense ekozala te na voulais dire na surveillance likolo ya task force wana, mais ekozala mokonzi ya mboka ye moko. Nde akozala mokonzi ya task force naye. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce lundi, début de la semaine, la deuxième réunion de la task force du haut commandement militaire. Outre le haut commandement militaire, la réunion a reçu le vice-premier ministre chargé de la défense, Guy Kabongo Mwadiavita, le ministre des Finances,
les directeurs du cabinet du président de la République, les responsables des services de sécurité et certains conseillers, voulais-je dire, du chef de l'État. Cela pour évaluer la situation militaire et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nabandeli, outre ses commandements militaires, la réunion a réuni le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, les ministres des Finances, les directeurs des cabinets du président de la République, les responsables des services et de sécurité et certains conseillers du chef de l'État. Cela pour évaluer la situation militaire et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon un texte de la présidence, M. le Président de la République a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Yango wana Mokonzi ya mboka pour la deuxième fois a tenu une réunion, il y a task force naye, il y a task force ya haut commandement militaire. Oyo ba conseiller naye moko bazala ki na kati, oyo ministre ya finance bazala ki na kati, oyo ministre ya défense Giga Bongo Madia Vita bazala ki na kati na ba officier mosusu ya armée ndenge bozotala yango na ba image. Bangonyo Subazalaki wana pour discuter encore une fois de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Bangonyo Subazalaki wana pour voir comment est-ce que l'État a une trêve oyo ezozala ezomi déroulé parce que d'ici peut trêve ekosila. Trêve bandaki depuis le 5 ekosila le 19 à peu près 2 semaines. Mais après trêve nini ekozala. Ba discussion aujourd'hui bazolinga ba entamé tokoko mela bisika wana. Après ba discussion oyo Kinshasa et Kigali esengeli efanda ba solola. Qu'est-ce qui va se réaliser juste après? Nini ekozala juste après? Nini ekozala? Esengeli Kinshasa eyeba quelles seront les solutions o ekozuwa face à Bitumba dans l'Est de la République démocratique du Congo, après assise Oye Kozala, après assise, Oeza initié, Oeza demandé par le président angolais Joao Lorenzo, Oye Azali Moko, Yaba facilitateur, Lelo Aza facilitateur Nabango. Qu'est-ce que la RDC va faire? Et qu'on procède la mesure Nini, Oye, après, ba assise Wana. Ce qui va yo kanite cette fois-ci, qu'est-ce qui va se faire après? Yambala oyo ce qui va yo kanite et kozala ndengeni. Le président de la République avait insisté que avant ba fanda na Kagame et sengeli Kagame a mi retiré. On se demande aujourd'hui, est-ce que c'était les conditions qu'il fixait à ce temps-là où la situation ne permettait pas qu'il dialogue avec Kagame le temps que les M23 étaient sur les sols congolais. Ou bien jusqu'à 7 heures, il est impossible pour lui de dialoguer avec Kagame aussi longtemps les RDF sont sur les sols congolais. Pendant que nous écoutons, entre guillemets, qu'il y a des préparatifs pourvu que ces deux se mettent sur une même table, pourvu que ces deux dialoguent sur la situation dans l'est du pays. Donc, voilà ce que le président de la République a réalisé hier. Félix Antoine Tshisekedi a présidé la deuxième réunion task force du haut commandement militaire. Cette réunion succédait à celle du vendredi 5 juillet, outre le commandement militaire. Cette rencontre a réuni les VPM de la défense, les responsables de sécurité de service et certains conseillers du chef de l'État pour évaluer la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, le commandement suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver
L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a fait savoir la présidence dans son compte X, Oyo Etika Kikolobaeke. Le président a donné des orientations à suivre pour préserver l'intégrité nationale de la RDC. Ainsi, il a donné l'instruction à ses hauts commandements d'aller exécuter ces instructions Oyo Pesamakiwana pour préserver, pour la combattre, l'intégrité territoriale. Il y a République démocratique du Congo. Alors, Ndenge Nazalaki Koloba, les préparatifs sont en train de se préparer. Bon, bazo préparer ma préparatif, bien que le président ait payé à lobby, et Sengeli ba au commandement, on a et Salagnos pour préserver l'intégrité territoriale. Il y a République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, Boyokaki, comment est-ce que le Rwanda et la RDC et Fanda Kibisika Mongo pour nous discuter ba préparatifs. Pour qu'il rencontre Esalima. Ba préparatif on Esalima qui dans Zanzibar. Moko e benda ki kutu ba bez. Moko e benda ki ba confusion. Et loko moko oyo parmi biloko oyo. E benda ki ba incompréhension na kati ya bato. Version ya EAC. Ezala ki version monsusu. Version ya Rwanda. Ezala ki version monsusu. Na version ya Kinshasa qui est la République démocratique du Congo. Ezala ki pe version monsusu. C'est-à-dire trois versions oyo e kiseni. Et les personnes jusqu'à aujourd'hui, Mutuna Mutuazo défendre version naïe. Rwanda nde Zalaki ya Yambokotia raconte wa. Et Zalaki koye banata koutoute. Ce qui bazali na Zanzibar. Yango, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a fait savoir que ba photo oweka et Simba Maki, c'est-à-dire capturer ces images-là. Ba oyo bazali komona na ba image wana bazalaki koyeba te si ces photos étaient capturées. Il a fait savoir que si on voit même l'état, il y a ba oyo donc lolenge bazali na ba photo wana, il ne s'entendait pas même ya ba photo, c'est-à-dire Rwanda s'est précipité kotia biloko en avant avant que donc ebana. En outre, on peut dire que le Rwanda a violé la procédure d'Enge Sengelizal. Apparemment, Sengela qui est en coulisses, Batouba est batté, mais Rwanda est allé en go. Qu'est-ce que le Rwanda voulait en mettant cela na précipitation sur les réseaux sociaux? Koutia en go, na internet. Na bisiga wanande batounyoso, ba récupérer en go. Kinshasa a condamné, ba condamné Koutou. Lolenge Rwanda sera qui makambo. Balobi bazomi précipité. Parce qu'elle ne sont pas sur deux. Au cas où Bakéi Kofanda. Kinshasa dénonce la pratique du Rwanda. Ou même quand vous êtes dans des discussions informelles. Cette tendance à circommuniquer. Lorsque vous regardez les photos qui ont été publiées, vous n'avez même pas l'impression que notre collègue du gouvernement qui était sur place était au courant que ces photos étaient en train d'être prises, dit le porte-parole du gouvernement sur la rencontre de Zanzibar dans le cadre de l'EAC. Ce qui botali ba oyo bazali na ba image yo pe ozotala. Nous sommes en train d'analyser ensemble, toujours analyser elongo yo ozotala ba image oyo réellement ozotala ce que vous êtes en train de voir. Patrick Muyaya a fait savoir le ministre de la communication porte-parole du gouvernement que même collègue oyo azali wana au congolais. Même oyo mutuaza wana ya mboka Congo. Azo yebate soki ba photo wana ezo kangama. Ayebite soki ba picha wana bazo kanga yango. Rwanda ezo utilize méthode ya circommunication, c'est-à-dire bazo avancer avant que les autres avancent. Donc bazo sala biloko avant que ezala autorisé ko sala yango. Est-ce que Balgaki ba monisa ke RDC ne zo négocier ba kende ko fanda?
Quelle était leur intention de vouloir circommuniquer, communiquer en aval, en avant, avant qu'il y ait ban? Dans le cadre informel, Bafandi, va essayer de discuter, loin d'essayer de communiquer Kala. Revenons dans l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? L'État qu'on sera en train de finir notre émission, les dames et messieurs. On note ici qu'il y a des militaires accusés pour avoir fui devant l'ennemi, Bakima Liboso ya Munguna, mais on ne s'arrête pas seulement de dire que Bakima Liboso ya Munguna. Tozo kendeti musika. Pourquoi Bakima Liboso ya Munguna? C'est aussi des questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris fuite devant l'ennemi? Bazalaki nanani. D'entre eux, il y a aussi les officiers. Pourquoi Bakima? Toyoki awa na semaine tiki koleka na Alimbongo, plus y a 25, au moins 25 militaires ont été condamnés. Ba condamné bango à mort. Ba condamné bango peine capitale. Ba condamné bango et tout mouyaliwa. Pourquoi Bakimaki Liboso ya Munguna? Bakimaki Liboso ya Munguna sur l'axe Kasege Matembe. Et le tribunal de garnison, le tribunal militaire de garnison de Butembo s'est déplacé jusqu'à Alimbongo, dans le territoire de Lubero, pour aller exécuter le jugement de ces derniers. Ils ont été condamnés. Quelques jours après, c'était alors le samedi de la semaine passée, procès à Bamoussous et Bandi, dans le village Moussous. Toujours sous tutelle. Il y a un tribunal militaire, il y a garnison, il y a Butembo, Batua, Bajiji, Yawana, Ndebazo, exécuté Ango. Et c'est lundi alors, hier, début de la semaine, jugement Yaba Oyope et Salemaki. Il faudra noter ici que Oyo Azokumba Axe Wana et Zali jusqu'à présent général Etiko Titambo, Moutouazan à front nord. Il y a Moutouazokumba à front. Il y a bah accès, on a bien qu'elle est là. Il y a observation et à trêve humanitaire. 22 militaires de FRDC ont été condamnés ce lundi à la peine de mort. Ils sont accusés de fuite devant les rebelles du M23, de dissipation de munitions et de vol lors des combats dans le Nord Kivu. Trois autres officiers ont été acquittés, c'est-à-dire, ils étaient au nombre de 25 qui comparaient, 25 militaires, trois ont été acquittés, 22 ont été, 22 autres ont été condamnés. Les 22 qui ont été condamnés, bah, condamnés, bango pona koiba, les temps que Bitumba, ils ont mis déroulé. Ce n'est pas normal, ozomona na soda azokima na balibata na mukongo. Ça ne s'écoute pas. Est-ce que ça encadrement oyobazangi? C'est aussi des questions qui se posent. Déontologie na bango elobi nini na kaya bitumba. Eza ba mituna oyo ezomi poser. Ozomona na militaire azobunda azokima na panneau solaire na mukongo. Est-ce qu'il y a Ibaki Yango? Est-ce que Zayaye wana nyoso bamituna? Certains d'entre eux n'ont pas faute grave, n'ont pas charge oh yeza na mituna bango. Ba mosusu baza condamné parce que ba Ibaki. Le temps que bazo kima. Le temps ya déroulement ya bitumba population zo kima bango bazo iba biloko ba population wana. Na kati ya bitumba ezo sale masoda aza na libata aza na soso azo kima na taba akobeta na to akobate na taba na ye wana. D'autres d'entre eux bazo utiliser mabe ba munition ya bitumba esila esila na ba mosusu kati na bango bakimaki liboso ya M23. C'est bien beau de les condamner, ça peut bien. Bien que ma pekisi biso koloba, mais tout ça, tout le baka moi mouke mouke. Ma pekisi bango. Bakangi bango, ba condamner bango, ba etumu ya liwa. C'est bien bon.
de faire cela pour que ça ait ça et servir exemple et pas yaba mususu mais vini ni oyo bazo mené et pas yaba militaire wana ezape mutuna bazo tuna encadrement est-ce que zali est-ce que lolenge sengeli bazala ndenge bazali est-ce que bazo zo ya kulia ya komela bazo zo ango ba ministre bazo zanga te wana nyoso esengeli to tia yango likolo ya mesa avato kondanaka ba militaire wana tozolo bela bango awa te ke no bazanga ki yango te tozolo bango te ke bazanga ki yango te mais esengeli encadrement wana ezalaka toutefois avant to kondane bango allo soki ba encadrement nyoso wana ezali et ke moko na kati na bango aleki likolo ya mibeko ndenge mibeko elobi voilà donc bazana droit ya kozala condamné ils doivent être condamnés et puni par la loi congolaise. Voilà donc ce qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui. Les dames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Bozala ki ebele, bolanda ki biso de partout, tolobi yango, yotozaki ya kokabela bino mukolo mwalelo, bozana diaspora, matondo mingi. Nous vous souhaitons une bonne journée, puis continuité malamu ya semaine oyo. Demain mercredi, aujourd'hui mardi, lobby mercredi, on se fixe un nouveau rendez-vous pour Nabasangona Bissot Yassika.